Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de CoinVid. Pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander comment je gagne mon argent sur CoinVid, ok? Donc là, dans cette vidéo, on va aller de part à part. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement 100$, ok? J'ai fait des retraits, j'ai laissé que 100$ sur la plateforme. Afin d'appliquer l'astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez voir tellement c'est efficace. Donc sur ce, on va pas perdre beaucoup de temps, on va sortir ici. Voilà, on va venir au niveau de chat, là. Juste en bas ici, ok. Je clique sur ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau de chat? Ici, vous pouvez voir, il y a des prédictions, ok. Des prédictions de la plateforme CoinVid. Donc, ici, on a le Blocks 1 Minute. Tout juste en bas ici, le Red Green. Et ici, le Dix 1 Minute. Bien évidemment, il y a aussi pour le 3 minutes de red green, mais on va pas trop appliquer pour ça, donc on va rester dans cette vidéo au niveau de blocks 1 minute, ok. Sur le coup, je vais rentrer dedans et vous montrer les statistiques de du chat de 1 minute block, ok. Donc ici, ils envoient des prédictions qui rentrent parfaitement, ok. Mais bon, parfois ça permet. Laissez-moi vous présenter les résultats des prédictions de la plateforme. Voilà, venez ici, je clique sur ça. Voilà. Ici, normalement, vous devez voir le Big and Small ici dans ce fragment. Et ici, dans le second fragment, vous allez voir le Odd or Even, c'est-à-dire le Impair ou Pair. Voilà. Donc, si la case est cochée vert, ça veut dire que leurs prédictions sont rentrées. Si ça est coché rouge, comme c'est le cas ici, voilà, ça veut dire que c'est pas rentré, ok. Donc ici, voilà, vous voyez comment leur prédiction rentre. Bien sûr, il y a une perte ici, mais si vous observez très bien, vous allez voir que les pertes ne sont même pas au pied des gains, quoi. Voilà, voilà. Donc ici aussi, pareil. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je vais essayer de, voilà. Donc voilà comment se présente le chat, ok. Ici, vous n'êtes pas obligé d'envoyer de messages ou quoi que ce soit. Vous allez juste suivre leur plan, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cliquer sur... bon, c'est presque fini parce que voilà, ici, là, c'est presque fini. Donc, je vais essayer de jouer pour le prochain tour. Voilà. Ok. Maintenant, pour jouer, comment je vais faire? Je vais essayer de venir ici au niveau de follow up, ça dit suivre leur plan, ok. Donc je peux cliquer là bas pour jouer directement, plus besoin d'aller dans la partie du jeu ici qui est là, au niveau de home, au niveau de game, et puis au niveau de voilà, ici blocks 1 minute blocks, là, voilà, c'est le jeu que l'on veut jouer, ok. Mais on peut jouer ça directement depuis le chat. Donc, je ressors. Voilà, encore une fois, je vous montre les gains. Mon argent, c'est toujours 100$. 107$, voilà. 107$. Donc, je sors. Je viens au niveau de chat. Je viens au niveau de bloc. 1 minute, ici. Quand je rentre dedans. Voilà. Et je vais cliquer sur... Non, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et essayer de follow up. Voilà. Donc pour follow up, je vais commencer avec 1$ waiting parce qu'il y a un jeu en cours. Maintenant, je peux jouer. Voilà. Donc je dois insérer le montant que je veux jouer juste ici. Ok, donc je clique et je mets 1$. Je confirme. Voilà. Donc je vais attendre à ce que mon jeu soit validé. Si c'est pas validé, bon, je passe à la mise suivante. Donc je suis en attente. Maintenant, comment je vais faire pour savoir si c'est validé ou pas? Bon, normalement je devrais voir ici si le jeu en cours est coché vert ou rouge, ok. Je dois voir ça ici, mais pour être rassuré, je peux toujours venir dans le jeu même. Voilà, ici, voilà. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est rentré. Voilà, j'étais à 107, donc je suis monté à 108. Donc je retourne toujours dans la partie chat, ok. Donc je vais rester là-bas pour jouer pour
un temps donné et revenir voir le montant que j'ai fait. Voilà. Donc, je rentre encore à nouveau dans Block One Minute. Pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander comment je gagne mon argent sur CoinVid, hein, cette vidéo est faite pour vous. Donc, je clique sur ça. Voilà, je follow up. Je mets encore $1. Voilà. Donc, je vais attendre. Si ça perd, bon, vu que la cote ici, c'est 1,85, bon, moi, je multiplie par 3 directement pour pouvoir faire plus de gains parce que les pertes, je vous assure, les pertes sont très, très limitées. Pas limitées, mais bon, ne sont pas beaucoup, quoi. Voilà. Voilà. Vous voyez, perdu 3 fois successivement. Bon, j'ai déjà vu 2 fois successivement, hein, mais 3 fois successivement, j'ai pas encore vu ça. Voilà, vous voyez. Donc, les rouges sont à peine parmi les verts. Il y a beaucoup de verts, ce qui veut dire que vous pouvez faire beaucoup d'argent avec cette méthode que je vous montre. Est-ce que mon jeu en cours est validé ou pas? Bon, je vais essayer de revenir au niveau de game. Ouais, c'est validé. Voilà, c'est ça, c'est validé. Ok, c'est devenir $109. Donc, je continue juste comme ça. Une chose est sûre, mon gain va toujours augmenter. Je reviens au niveau de chat, blocks, one minute. Voilà, je follow up. Normalement, bon, je devrais jouer, mais vu que je parlais, bon, le jeu, ça passe. Maintenant, actuellement, je peux jouer. Ça aussi, c'est rentré. Si ce n'était pas rentré, vous allez voir, il y aura du croix rouge ici. Donc, ça veut dire que c'est validé. Donc, je vais essayer de miser encore une fois le $1. Pourquoi le $1 pour mise de départ? Pour que pour, si je perds, bon, je vais multiplier ça par 3 au calme. Et ça, ça va rentrer. Si ça ne rentre pas par 3, ça fait 9. Ça, voilà, c'est KO quoi. Ça rentre au calme. Une autre chose, ne pensez pas à avoir de gros yeux sur vos têtes. Ok, okay, ça aussi, c'est fini. Il devrait avoir un autre jeu en cours. Ok, c'est validé. Je suis sûr que c'est validé parce que c'est vert. Sinon, ce serait rouge. Okay? Donc, je vais toujours follow up avec $1. Les amis, $1 par $1 chaque minute. $1 chaque minute. Bon, si on voit dans une heure, ça fait beaucoup. Hein? Donc, raison pour laquelle je vous dis de ne pas être trop gourmand avec cette astuce. Okay? Allez-y doucement. $1, $1, $1. Ou disons, bon, $1 avec un code de 1,95. Bon, ça fait $0,95. Mais bon, si on multiplie ça par, je ne sais pas, combien de fois vous avez joué dans une heure, bon, ça fait beaucoup. Donc, petit à petit, ça augmente. Ça aussi, c'est rentré, je suis sûr. C'est vert. Donc, je continue toujours avec le follow-up. $1. Je confirme. Voilà. Il est actuellement 14h23. Ok. Donc, je vais toujours continuer par jouer. Bien sûr, je vais couper certaines parties. Mais je vous prouve que bon, c'est réel, cette astuce que je vous montre. Donc, n'hésitez pas. Ok. Pour tout ce qui sera lien d'inscription, bon, ce sera dans la description de cette vidéo. J'avais déjà pas mal de fois montré comment s'inscrire sur la plateforme CoinVid. Donc, normalement, ça ne devrait pas être une lutte pour ceux qui n'ont aucune idée de la plateforme CoinVid. Voilà. Ça aussi, c'est rentré. C'est vert. OK. Je vais encore essayer de... Bon. Je vais sortir d'abord pour essayer de venir au niveau de Home. Voilà. Au niveau de Game. One Minute Block, toujours ici. Voilà. Ici, actuellement, j'ai... Combien j'ai 110 dollars. Ok, donc je peux toujours continuer avec cette méthode. $110. Donc one minute block, c'est ça ici. Ok, je follow up. $1 toujours. Voilà, donc je vais voir le résultat. Comme je l'avais dit, vous pouvez aussi jouer sur le impair ou pair. Ok. Actuellement, ici, je joue ici, ce qui fait que je joue sur le big or small, c'est-à-dire le grand ou le petit, ok? Sinon, vous pouvez venir ici aussi et jouer sur le even or odd.
Ça aussi, ça rentre parfaitement. Les amis, regardez les verts, ok? Il y a un petit rouge ici, mais ce n'est pas grave. Regardez les verts par vous-même. Ok, c'est très, très efficace, les gars. Actuellement, il est 14h26. Il n'y a rien de fake ici, hein, les gars. J'attends le résultat. Ok, c'est encore validé. Là, je continue toujours avec le 1$. Et arrivé à un moment, bon, je vais aller pour voir combien de dollars mon compte a été augmenté. Juste comme ça. Pour ceux qui vont me demander combien de dollars minimum ils auront besoin pour commencer cette astuce. Bon, tout dépendra de vous. Hein, parce que, bon, je ne sais pas, peut-être vous, vous allez décider avec 0,5 comme mise de départ. Ou peut-être 2, 10, 20. Donc, tout dépendra de vous, en fait. La mise minimum sur la plateforme, c'est 0,1$. Ok, ça aussi, c'est validé. Voilà, le vert, là. Donc, je continue toujours avec le 1. Voilà, je confirme. Actuellement, il est 14h28. Donc, je continue. Dès que ça perd, bon, je multiplie par 3 pour récupérer tout ce que j'avais perdu comme les 1$ et avoir des profits là-dessus en même temps. Ça aussi, c'est validé encore une fois. Vous pouvez le voir toujours là. Ok. Dès qu'il y a le rouge ici, ok, il y a le décompte rouge là. Et vous avez vu la case qui est en rouge. Je vais miser d'abord. Voilà. Et il y a la case ici en bas. Ça veut dire que votre mise précédente, c'est validé. Ok. Si c'est vert, c'est validé. Si c'est rouge, ça veut dire que c'est pas validé. Donc, c'est à vous de multiplier votre somme dans le jeu suivant. C'est validé encore une fois. Je m'attendais à ce que je perde et je multiplie ça par 3 pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais je continue toujours pas gagner. Donc, je vais sortir, ok. Je vais sortir, les gars, et venir au niveau de Home, au niveau de Game, au niveau de Blocks, 1 minute. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai combien là? Regardez par vous-même, j'ai 116. J'avais commencé avec 107$, ok. Donc, j'ai presque gagné 10$ dans quelques minutes ici. Bon, je ne me rappelle pas de l'heure à laquelle j'ai commencé l'enregistrement, mais regardez par vous-même. Ça fait très peu. Donc, j'ai gagné presque 10$. Ok, 9,2. Bon, disons 10$ si je continue toujours pas jouer. Pour s'inscrire, c'est très simple. Ok, je vais essayer de me déconnecter. Voilà, on est sur la page d'inscription. Je vous rappelle, le lien sera dans la description. Vous rentrez votre username ici, votre numéro de téléphone. Pas obligatoirement votre vrai numéro de téléphone. Ok, parce que vous n'aurez pas à vérifier ça. Donc, vous allez en rentrer votre mot de passe ici. Vous allez confirmer le mot de passe et basta, c'est fini. Vous pouvez cliquer sur « Sign up » pour vous inscrire. Encore une fois, comme je vous l'avais montré, vous devrez suivre l'astuce comme je l'avais fait rentrer dans l'option « Chat » et essayer de voir les prédictions là-bas, jouer directement, pas obligé d'aller dans le jeu avant de jouer. Sur le coup, les gars, bon, moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, ok? Donc, on se dit « Peace !»